Ouais, plusieurs retours. Après, pour l'instant, Glody, Ngonda, reprise mardi. Donc, il est parfait, sa réathlétisation sur cette fin de semaine. Et normalement, il serait disponible pour mardi. Et Sacha Boué, qui a une tension à l'adducteur aussi. Ils sont rentrés normalement dans les séances. Alors, sauf réserve, par rapport à l'entraînement de demain, ils postulent pour le match. Moi, je me laisse encore le temps de la réflexion par rapport à demain, mais voilà, je trouve que c'est un secteur qui a plutôt bien fonctionné ces derniers temps. Donc, je pense que pour faire avancer un groupe et qu'il y ait cette dynamique, la concurrence est importante. La concurrence est importante, donc ce sera le cas dans ce secteur de jeu. Oui, même Monaco, moi je vous l'avais dit avant Nice, donc je ne vais pas me répéter, mais il y avait des choses qui étaient plutôt intéressantes, notamment au cours de la première période. Donc oui, le résultat est venu valider par rapport à ce match de Nice. Je vous avouerai que ça fait très plaisir, mais voilà, les joueurs commencent à appréhender de mieux en mieux ce système, la complémentarité, notre manière de vouloir l'animer aussi, donc. Voilà, il n'y a pas de raison de changer par rapport à ça. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à notre bilan comptable, vous le savez aussi bien que moi, voilà, sauf miracle, entre guillemets, la sentence sportive va tomber. Si c'est pas à Rennes, ce sera ça prochainement. Après, moi, je me focalise vraiment sur nos derniers challenges en Ligue 1 et avec la volonté de montrer la meilleure image possible et que les joueurs ne galvaudent pas ce championnat. Voilà. On s'est battu durement il y a quelques années pour avoir ce privilège et cette chance-là. Pour nous, il faut rester digne jusqu'à la fin. Ouais, même si moi j'ai eu le bonheur et la chance de partir directement à la formation après le match, donc j'ai pas trop participé à la reprise de la semaine, mais oui, les échos que j'ai eus, c'est que il y avait un peu plus de sourires et de regards positifs. Voilà, vous savez très bien que la victoire amène d'autres comportements, d'autres attitudes. Après, il ne faut pas non plus tomber dans l'euphorie. On doit montrer aussi un visage humble et modeste par rapport à notre dernier parcours très, très ambigu. Je connais très bien. Voilà, c'est un gun, comme on dit à Lyon, donc quelqu'un qui est passé par le centre de formation, qui a reçu des valeurs qu'on m'a inculquées aussi. Donc, à l'époque, à Lyon, il y avait souvent des transmissions de témoins entre générations. Et lui, clairement, a joué un rôle prépondérant dans ma manière d'aborder ma carrière et surtout de me donner confiance pour avoir la chance justement de passer professionnel. Donc, c'est quelqu'un que j'ai toujours grand plaisir à retrouver. Il jouait le même poste que moi, donc souvent, on a eu des échanges et ses conseils ont toujours été très précieux pour moi. Donc voilà, avant de parler de l'entraîneur et de l'ancien joueur, j'apprécie beaucoup l'homme, comme Florian Maurice aussi, qui est quelqu'un que je connais aussi très bien. Donc je suis heureux pour eux qu'ils puissent se retrouver et j'espère qu'ils vont faire du bon travail ensemble. Non, je suis comme tout amateur de sport collectif. Voilà, j'ai eu la chance quand j'étais jeune à Lyon d'avoir un cursus scolaire où on mélangeait justement les différentes activités, voilà, rugby, football, et donc j'ai baigné dans cette culture entre guillemets omnisport. Donc moi à l'époque j'avais Alain Dicbeu qui était avec moi, ancien joueur de l'ASVEL. Donc c'est toujours un sport qui m'a intéressé, ma fille a pratiqué ce sport-là, donc je suis très heureux pour la JDA. Voilà, ça représente aussi la ville de Dijon, donc une ville omnisport où il y a pas mal de clubs à d'excellent niveau. Donc moi je suis pas jaloux entre guillemets. Ce que j'aimerais c'est que voilà tous les clubs performent et que nous par exemple on revienne rapidement dans l'élite pour que voilà Dijon soit associé aussi au sport et à la culture sportive. Donc je suis très heureux pour la JDA.